Vendredi 19 octobre 2018, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel, journal. Plateforme nationale secteur populaire haïtien dénonce une série moun yo fè konnen qui prend bataille peuple la ap mené sous dossier Petro-Caribéa pour faire politique. Responsable plan SPA, Dieudonné Lérisson, qui dit yo appuyé bataille peuple la, mande président République la pour débarrasser bon côté à tout moun non yo ta cité dans dilapidation fond Petro-Caribéa. Plateforme secteur populaire démocratique félicite Conseil supérieur police la yo di kite empêché une série politicien crasé brisé nan date 17 octobre passé a coordonnateur général plateforme nan ki lance un message clair bay secrétaire général plateforme politique petite Dessalines nan Moïse Jean-Charles suite à déclaration l'été fait pour ta exiger départ Jovenel Moïse nan tête pouvoir. Fait connait président Jovenel Moïse passé le responsable mauvais gouvernance pays à sorti 1986 le jeudi. Ouverti centre Revive nan Paco journée vendredi 19 octobre 2018 là, yon centre médico-psychologique qui gen pour mission traiter moun qui gen problème mental ak sa qui gen dépendance drogue. Nan page internationale journal la préparation yon nouveau sommet en Syrie pour la paix sous initiative pays Turquie. Sommet sa kap réuni Erdogan, Poutine, Macron ak Angela Merkel nan vil Istanbul 27 octobre kap vini la sous situation Idlib la yon nan dernier bastion opposition an nouvelle perspective pour la paix sa a réveillé contentement la kay émissaire ONU pour Syria Jean Eglan. Qui consiste à encourager, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines. Le président, messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir, la Florida, jeune mineure Rouillon, Jocelyne Espérance. Michelov Etienne, ton stage à Copa Airlines. Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Monsieur de Boudier, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, de Royalda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et de Désir, travaille déjà à Hong Kong. Mesdames et messieurs, Haïti doit connaître ses sens. Et c'est par le bien de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'Haïti, Haïti. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJS, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 2093. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, rivé 31 décembre, tout client Universal Motors a une chance pour faire un décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol. Ou ap gen chance gen yon lot Nissan Patrol, même modèle là. Décabès. Yon pick-up Frontier, yon lot pick-up Frontier ka tombe nan men. Décabès encore. Yon Nissan Kicks, yon lot Nissan Kicks ap tan nou an di plis. Kicks pou Kicks, pick-up Frontier pou pick-up Frontier, Nissan Patrol 4x4 pou Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabès ça, c'est tout moun fwenn. Décabès. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test Drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors.
La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus. À travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche, Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre, Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiant Lio pas gain ce qu'on a fait pour là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma. Ces salles spacieuses, aérées et équipées, son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Olucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritain International School of Nursing Boom Bagai. Les ou sont artistes, faut connaître sauf les faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto voulez aller. Faut connaître qui message vous voulez faire passer dans la musique yo. Et puis qui j'en kamoye qui fanatique. Faut qu'on connaît valeur création artistique. Si pour musique, moi connais qui ça pour me faire. Pour moi qu'à joindre votre succès. Vous avez fait la banque, moi. Moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Plateforme nationale secteur populaire haïtien dénoncé comportement yon série moun yo di qui prend bataille population ap mené sous dossier l'agent Petro-Caribe a pour ta faire politique pour jeter pouvoir en place là. Coordonnateur national plateforme nationale secteur populaire haïtien Dieudonné Lérisson qui déclaré y a supporté mouvement pour joindre explication sous façon l'agent Petro-Caribe a été dépensé dans pays a mandé président République là pour activer dossier enquête ak procès pendant li exiger révocation tout ministre directeur général ak l'autre fonctionnaire dans l'état li dit ki ta gen non yo cité dans dossier Petro-Caribe a pour faciliter justice faite en de pays. Dieudonné Lérisson, c'est coordonnateur général Plan Spar qui était dans micro radio télé Claire en suivre. Plateforme nationale secteur populaire haïtien estimé c'est pas bataille pour peuple haïtien qu'a fait. C'est pas bataille pour secteur populaire mais c'est bataille pour prendre pouvoir pour retourner pays à dans même période. Rat Pagaga, opération Bagdad. La forme nationale, secteur populaire haïtien. Mandé, autorité, grand commis en l'État, que nous avons cité dans le dossier Petro-Caribéa pour laguer bien président Jovenel Moïse. Parce que secteur populaire, campé derrière procès Petro-Caribéa. Dossier Petro-Caribéa, c'est dossier chaque grenadier. Dans le secteur populaire, nous demandons, il faut que nous connaissions comment chaque dollar, chaque goutte est dépensé dans l'argent Petro-Caribéa. Parce que, il y a des gens qui n'ont pas Petro-Coup d'État qui ont gagoté l'argent. Petro-Caribéa, faut poser la fête pour la justice qui a mis le code dans le pied, dans le bras. Pour la justice qui a mis le menot dans le pied, dans le bras.
Nous demandons président Jovenel Moïse, c'est majorité à qui te vote. Majorité a demandé justice. Mais majorité peuple là pendant coup d'état. Nous demandons président Jovenel Moïse pour le voir un signal clair. Tout recommis en l'état que nous citons dans le dossier Petro-Caribéa, il faut que révoque sa perdita. Quel est ministre, quel est secrétaire général, quel est secrétaire d'État, quel est directeur général, quel est conseiller, secteur populaire haïtien, mandé révocation Mounsayo sa perdita. Plateforme secteur populaire démocratique félicite Conseil supérieur police nationale là pour force et détermination yo té gagné pour té combattre tout politicien yo dit qui té gagné l'idée écraser briser dans date 17 octobre passé a coordonnateur général plateforme secteur populaire démocratique là Wider Chéri qui voyait un message clair by secrétaire général plateforme petite Dessaline Moïse Jean-Charles suite à déclaration il té fait qui t'a exigé Départ président République la Jovenel Moïse dans 24 heures de temps, Wider Chéri fait connaître Jovenel Moïse parce qu'elle responsable mauvais gouvernance pays à sorti 1986 jusqu'à journée aujourd'hui. Wider Chéri, c'est coordonnateur général plateforme secteur populaire démocratique là qui était dans micro radio télé éclair. On va mettre chapeau bien bas pour nous féliciter CSPN spécialement ministère intérieur pour force et détermination. Yo te gagné pour être capable basculer tout qui en politique qui te voulait créer des ordres pendant commémoration la mort papa nation qui c'est Jean-Jacques Dessalines soi-disant sous comme Petro-Caribé. Je merci tout bagaille passé bien. Pour raison ça, plateforme secteur populaire démocratique là a remercié 10 départements pour force ak détermination yo te gagné côté que yo pas quitter mauvais an qui filer dans mitan yo pour yo te craser vite machine moun pour yo te bouler magasin moun pour yo te craser vite machine bouler magasin faire zak malhonnête dans pays a pour raison ça plateforme secteur populaire démocratique là a dit 10 départements merci et félicitations n'a tout profiter occasion ça pour nous dire avec leader petite Dessaline qui c'est Moïse Jean-Charles a fait pour la demander pour président Jovenel Moïse quitter pouvoir dans 24 heures de temps n'a dit c'est bien compté mal calculé parce que si coup d'état de Tebay de 1986 à nos jours Haïti t'a pas avancé c'est pas dans état ça pays t'a toujours été et pas m'pas voulez personne nous prend fardeau Haïti pour nous la gueule sous deux président Jovenel Moïse seulement parce que m'pa croire Jovenel Moïse c'est un président depuis 86 à nos jours parce que démocratie ça tout pour nous son démocratie sensilier son démocratie retire pied m'ba mettre pied son démocratie tout nèg té gen ambition té aigri politique yo fond démocratie de 86 à nos jours tout monde constater au lieu pays a fait avant c'est bac l'a fait nous même au niveau plateforme secteur populaire n'a pas un message clair by Moïse Jean-Charles pays d'Haïti pas pour lui pays d'Haïti c'est pour tout haïtien libre pour yo dire tout ça dans l'idée yo mais à l'ordre discipline mais à fond n'aller bonjour matin pour frustrer des magasins X ou bien Z pour al craser pour al bouler pour frustrer des machines moun X ou Z pour craser pour bouler pour frustrer pour tête petit balai gage ton machine dans zone la caillou ou bouler ou prend courant manifestation ou prend courant et politique pour faire l'autre citoyen honnête méchanceté a nous même nous pas marcher en logique ça et pas gagner sa pièce. Cérémonie installation officielle journée vendredi 19 octobre 2018 la nouveau comité syndicat employé ministère éducation nationale et formation professionnelle une activité qui était déroulée en présence divers cadres dans ministère dans occasion un vice-président nouveau comité syndicat employé ministère éducation nationale et formation professionnelle là Jean-Mathieu Augustin qui exprimait satisfaction pour activité ça fait connaître yo pral travail dans intérêt employé yo et puis collaborer ensemble avec responsable ministère pour améliorer système éducatif haïtien.
Plus information avec vice-président nouveau comité syndicat emploi et ministère éducation nationale avec formation professionnelle qui était dans le micro Jean-Dani Danis avec Ricardo Régis. Jeudi 19 octobre, là, c'est un honneur pour moi pour investiture comme étant nouveau vice-président du syndicat CMEF. Parce que en dedans ministère de l'Éducation nationale, il y a fait face avec pas mal de problèmes. Donc, je vous dis, nous croyons qu'avec l'équipe SAA qui est installée, je vous dis, nous croyons que nous tous, nous allons mettre tête ensemble pour que nous travaillions pour le bien du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et quand je dis pour le bien du ministère, maintenant, lorsque il y a un syndicat qui crée dedans un ministère, maintenant il crée typiquement pour aider l'espace boîte pour le faire fonctionner bien et ensuite pour lui aider employé. Parce que vu avec le problème qui a traversé dedans le ministère ça, et professeurs qui gagnent 4-5 ans qui dans la salle de classe, qui n'ont pas lettre de nomination, et ensuite élèves n'a constaté qui dans la rue, maintenant après le séisme du 12 janvier. Et jusqu'à présent, Timounio a recevoir plein de l'instruction en battant toujours. C'est ça que fait, tout récemment, nous avons un Timoun qui te prend la rue. Il te prend la rue, c'est parce qu'il était mécontent maintenant pour façon que il a recevoir le plein de l'instruction. Parce que il en battant jusqu'à présent, pendant que l'argent a gagoté en dedans le pays. Maintenant, je vous dis, nous-mêmes, comme ministre lui-même, nous avons le travail, mais peut-être. Il y a des moyens de travailler, ce n'est pas l'alda de Maëlle. Pendant que tout problème est toujours plongé en dedans du ministère, là, eh bien nous-mêmes, nous ne pas là, nous ne pouvons pas le camper en face ministre, nous ne pouvons pas le camper en face directeur général, nous ne pouvons pas le camper en face directeur départemental, mais tout simplement, nous prenons le chita ensemble, nous prenons le chercher côté problème. Vous savez des problèmes déjà, on est qui côté déjà. Maintenant, nous prenons pour nous soumettre pas longtemps, ministre, là, y a un document qui va gagner ensemble de revendications et tout employé qui est dans le ministère là, et pour que lui-même soit capable de faire suite nécessaire avec eux-mêmes. Parce que je dis, hein, vu avec cherté de la vie, maintenant, M. Tikob, un petit personnel a touché, et même si c'est des employés dans le ministère là, tout qui gagne vestiaire, qui gagne costume, il n'y a pas touché pour l'argent. Parce que je dis, hein, pour un dollar américain, nous croyons qu'on a besoin près de 72 ou 75 pour gagner un dollar américain. Et pourtant, employé ministère là, professeur qui est en salle de classe, il a toujours touché même petit pistons l'argent que vous avez. Et bien, je dis à nous que le syndicat ça, qui campait là, eh bien, nous croyons que l'équipe ça, son belle équipe, nous allons mettre tête ensemble pour le travail, maintenant pour le bien du ministère et ensuite pour le bien de tous les employés qui travaillent au sein de ce ministère. Ouverture journée vendredi 19 octobre 2018 la Sainte Revive nan Paco, yon centre médico-psychologique kap gen pour mission traiter moun ki gen problème mental ak sa ki gen dépendance drogue nan société a et ki pral ofri tout service formation pour expert conseil, supervision ak soutien entreprise yo selon directeur général Centre Revive la Dr Hans Lamar ak directrice clinique la Valérie Alix qui présentait ensemble travail ak différents équipes yo qui déjà disponible pour accompagner moun kap chercher support pour faire équilibre soit psychologique ak physique yo. Pendant yo annoncé yo louvri pour recevoir et puis commencer bay soin ak service. Plus information avec directeur général clinique médico-psychologique Centre Revive la Dr Hans Lamar ensemble avec directrice clinique la Valérie Alix qui était dans micro Garlands lui avec Mackinson registre. Aujourd'hui, nous allons ouvrir officiellement le Centre Revive. Le Centre Revive est un centre médico-psychologique dédié au traitement des maladies mentales et des toxicomanies. Le Centre Revive se veut un organisme prônant des traitements modernes, issus de recherches et de pratiques très longues, et que nous savons actuellement efficaces. Alors, quels sont ces traitements? Ce sont des traitements biologiques, qui comprennent bien sûr les médicaments, qu'on appelle des psychotropes, c'est-à-dire les médicaments qui ont une
action directe sur le cerveau et qui servent bien sûr à contrôler ou corriger certains problèmes neurobiologiques. Mais nous avons aussi une vaste panoplie de traitements psychologiques qui sont des traitements individuels ou de groupe. Ces traitements sont assez spécifiques de certains problèmes de santé mentale, c'est-à-dire que nous n'avons pas la formule one fits all. Chaque individu est évalué, un diagnostic est posé et la meilleure démarche thérapeutique est établie. Le centre Revivre est un centre privé, mais qui a comme mission aussi de soutenir les initiatives locales, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, afin d'aider à former le plus possible de spécialistes en santé mentale. D'autre part, à titre de directeur du programme de santé mentale de l'Université d'État d'Haïti, je suis appelé à organiser la formation en psychiatrie des étudiants en médecine et à former aussi des spécialistes qui vont devenir des psychiatres. Et donc le Centre Vivre va être un pôle de stage pour les différents professionnels de la santé, qu'ils soient médecins, qu'ils soient psychiatres en devenir ou psychologues, travailleurs sociaux. Donc, si quelqu'un désire avoir des services au Centre Revivre, nous avons un numéro qui est déjà actif présentement. C'est le 509-31-31-56-76. Nous avons des dépliants et des cartes qu'on vous remettra par la suite. Et à partir de ce moment-là, vous allez rentrer en contact avec le personnel clinique. Il y aura une brève évaluation. Et par la suite, rendez-vous sera donné assez immédiatement pour pouvoir rencontrer un intervenant professionnel. Quand je parle d'intervenant professionnel, le premier contact sera fait avec notre équipe de psychologues. Mais c'est pour vous dire, chaque cas peut être particulier. Donc, chaque fois qu'on recevra un appel, si la nécessité d'un psychiatre doit se faire dans l'immédiat, le psychiatre est permanent dans l'immédiat. Nous avons aussi du personnel infirmier parmi nous pour pouvoir travailler en multidisciplinaire. En tout cas, nous allons pouvoir donner des soins en permanence, d'où la raison de notre équipe multidisciplinaire. Donc, les infirmières seront sur place en permanence, donc 24 sur 24. Nous avons aussi médecins généralistes, nous sommes aussi une association avec d'autres médecins spécialistes. Nous avons des médicaments sur place pour les patients en lien avec la santé mentale, mais aussi des médicaments pour la santé physique. Parce qu'on va se dire, chaque personne qui a un problème de santé mentale, souvent c'est la santé au complet qui est affectée. Donc, lorsqu'on fait notre évaluation, l'évaluation est complète en ce sens. C'est une évaluation qui est biopsychosociale. Vinjouen Kiltin, c'est sous thème ça, groupe réflexion, action sociale et travail, organisé une série d'activités traditionnelles dans Port-au-Prince, activités culturelles, conférences, débats, expositions d'œuvres artisanales, foire gastronomie, été réalisé pour marquer journée ça. Dans l'intervention du secrétaire général groupe réflexion, action sociale et travail, Fedeline Estinfil, qui présentait ensemble perspective, li di yo genyen nan jou kap vini yo, fè konnen activité sa antre nan kad lit kap menen pou kombat akiltirasyon nan peyi. Fedeline Estinfil, se secrétaire général groupe réflexion, action sociale et travail, qui était nan micro, Jean-Dani Danis ak Ricardo Régis. Là, thème là c'est vin joindre Kiltino dans groupe réflexion d'action sociale et du travail qui c'est grave. Nous jugons beaucoup pour une activité comme telle parce que nous avons pays à faire face à une vaste acculturation. Parce que nous avons quitté culture, nous avons non seulement à cause des réseaux sociaux, mais tout nous perdons en pile par leur qui nous gagnons. Donc nous voulons nous envie de retourner avec eux. C'est peut-être ça nous fait des jeux traditionnels comme Marais, Domino, Kati, Tarto, etc. que nous avons fait longtemps. Ensuite, nous avons pris un petit compte que nous ancien compte longtemps. Ensuite, nous avons pris manger pays, nous avons présenté gastronomie locale, nous avons pris Tom Tom, la Lot Chaka. Ensuite, nous avons pris tout. Au début, nous avons pris une conférence de débat sur la mémoire de Dessalines. Mais tout nous avons parlé de culture. Nous avons pris Dessalines en tant que culture haïtienne et qui s'alimente dans la valeur haïtienne. Donc, nous, chaque là, nous sommes des membres grâce, nous sommes des membres universitaires, nous sommes sortis dans l'université de l'État privé. Donc, en tant que grâce, nous avons un slogan qui s'est agir ensemble.
vivre ensemble. Donc c'est nous chaque qui là qui mettait ensemble pour nous battre, pour nous voir si nous avons rejoindre. C'est pas l'objectif. Nous-mêmes, nous faisons des actions sociales. Nous faisons des formations. Nous faisons formation sur leadership, nous faisons formation sur entrepreneuriat, nous faisons formation pour femmes. Ensuite, nous faisons des sorties touristiques. Nous allons chaque mail, nous allons au Cap. Donc nous pensons que nous prenons un développement local. Donc nous pensons que si nous chaque mettons ensemble, si nous agissons ensemble, si nous vivons ensemble, pour nous agir ensemble, pour nous agir, pour nous changer, nous pensons que nous allons gagner en Haïti. Mais nous comptons faire une activité dans la même ligne à 1er novembre. Mais tout avant année en sortie, comme d'habitude, nous faisons nous bien pour nous faire en sortie. Donc c'est selon le mandat, c'est ensemble nous avons déterminé qui est. Mais nous connaissons que pour 1er novembre, nous devons pouvoir capter bien encore pour l'autre activité. Nan page international journal la tension nan pays Afghanistan yon jou avan déroulement élection législatif yo weekend kap aproche la Taliban yo ak soldat Daesh yo menase pou ta pertibe bon déroulement élection sa yo alors que 20 avril 2019 Afghan yo ta dwe eli yon nouveau président. On suit un reportage avec Euronews. Un scrutin sous tension pour les Afghans, appelés à choisir leurs députés ce samedi. Mais difficile de voter dans des conditions optimales, alors que talibans et soldats de Daesh menacent de perturber le déroulement du scrutin. Jeudi, un important chef de police a été tué au cours d'une fusillade revendiquée par les talibans. Dans ce pays miné par la guerre avec le terrorisme, la sécurité est l'un des principaux enjeux de ces élections. La grande préoccupation, c'est la sécurité, et les gens espèrent améliorer la situation en allant voter. Les problèmes économiques sont également très importants pour le peuple afghan. On espère qu'en envoyant une nouvelle génération au Parlement, on pourra améliorer la situation économique ici. Et la situation ne risque pas de s'apaiser après ces législatives. En avril prochain, les Afghans devront cette fois-ci élire leur nouveau président. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, préparation un nouveau sommet en Syrie pour la paix sous initiative pays Turquie. Sommet ça qui a réuni Erdogan, Poutine, Macron et Angela Merkel dans la ville Istanbul. 27 octobre qui a venu là, sous situation Idlib là, une dernier bastion opposition. Nouvelle perspective pour la paix ça a réveillé contentement la caille émissaire ONU pour la Syrie, Jean Eglan. En suivant un reportage toujours avec Euronews. À l'initiative de la Turquie, un sommet sur la Syrie est en préparation. Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Angela Merkel pourraient se rendre à Istanbul le 27 octobre prochain, mais l'Élysée a déjà fait savoir que le président français ne se rendrait pas en Turquie si une nouvelle offensive militaire à Idlib devait être déclenchée avant le sommet. Cette nouvelle perspective de paix a réjoui l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. There will be more time. Les partis russes et turcs ont indiqué qu'il faudra accorder plus de temps pour mettre en œuvre l'accord, sachant que certains délais sont dépassés ou encore de dépassement. Il y aura donc plus de temps pour la diplomatie. C'est un grand soulagement pour nous, car si l'on devait suivre une logique militaire qui a trop souvent été suivie dans cette seule guerre, ce serait une terrible nouvelle, non seulement pour les civils, mais aussi pour les humanitaires, qui sont près de 12 000 collègues à Idlib. Après d'intenses combats, un cessez-le-feu a été instauré depuis le 17 septembre dans la province d'Idlib. Un nouveau délai a été donné aux djihadistes et à leurs familles pour quitter le secteur afin de créer une zone démilitarisée. Voilà, cela nous mettait fin à la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. La plateforme nationale secteur populaire haïtien a dénoncé une série de monde fait connaître qui prend bataille peuple à mener sous dossier Petro-Caribéa pour faire politique. Responsable Plan SPA, Dieudonné Lérisson, qui dit yo a pillé bataille peuple là mande président république là pour débarrasser bon côté là ak tout moun non yo ta cité nan dilapidation fond Petro Caribe. Plateforme secteur populaire démocratique félicité conseil supérieur police là yo di kite empêcher une série politicien crasé brisé nan date 17 octobre passé a coordonnateur général plateforme nan ki lancé un message clair by secrétaire général plateforme politique petite Dessalines nan Moïse Jean-Charles suite à déclaration l'était fait pour ta exiger départ Jovenel Moïse nan tête pouvoir
Fait qu'on est, président Jovenel Moïse, passé le responsable mauvais gouvernance pays à sorti 1986 le jeudi. Ouverti centre Revive dans Paco, journée vendredi 19 octobre 2018 là, yon centre médico-psychologique qui gen pour mission traiter moun qui gen problème mental ak sa qui gen dépendance drogue. Dans page internationale journal la préparation yon nouveau sommet en Syrie pour la paix sous initiative pays Turquie. Sommet ça k'ap réuni Erdogan, Poutine, Macron ak Angela Merkel nan ville Istanbul 27 octobre k'ap vini la sous situation Idlib la yon nan dernier bastion opposition an, nouvelle perspective pour la paix ça réveiller contentement la kay émissaire ONU pour Syria Jean Eglan. C'est principale information ça yo ak divers lot ki te fait essentiel journal nou. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal la nan micro pour te présenter au journal ça. Darlene François, restez branchée pour cette programmation télévision. Bon week-end.